C'est à un moment donné. Je sais que tu fonctionnes comme ça, frérot, mais. Oh, mec, regarde ce qu'il y a! Oh, trop bien! Qu'est-ce qu'il y a? Alors, ça, c'est trop stylé en vrai. Qu'est-ce que c'est que t'as vu? Mais regarde. Là, c'est. Regarde, il y avait ça comme arme. Une variante et voilà. À la prochaine. Merci. Alors, du coup. Tac. Tiens, celui-là, une RPK. Fais-toi plaisir. Il s'est fait humilier par Saxy et ça c'est vraiment pas cool. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Warzone France pour une nouvelle vidéo riche en très bons clips. Pensez à nous lâcher un petit like et à vous abonner. Et en attendant, continuez avec Apache, toujours aussi en forme sur Caldera. J'adore le 3-6-6. Un joli move qui fait du bien. Du côté de Tomaki, on dirait que tout le monde ne joue pas avec les mêmes équipements. On va regarder la killcam de Popsy là. Il cheat à la mort. Popsy est cheating. Ah, il cheat. Oh, one more. Il avait le aimbot et tout. Le lock était un petit peu grillé quand même. Allez, on enchaîne avec Chouachin et attention car ça va aller très très vite. Tiens, Spartan, regarde. Oh my god. Ok. Oh, c'est le français. C'est le Srivakar, c'est le Srivakar, c'est vu. Je t'avais dit de regarder ou pas, mon ref? Ouais, Srivakar du début. Ouais. Il est mort. Des petites balles pareilles, on apprécie. Pendant ce temps-là, Tomatis explose absolument tout le monde. Y'en a un qui est plutôt chaud par ici. Pour le coup, on ne peut être que d'accord. Oh, tenez-vous bien. Oui là. Non mais vous voyez ces one shot pas. Non, fuck non, moi. Wow. Salto lui. Oh, je viens de mettre un couteau. Bon, c'était pas très impressionnant, mais je suis très content. Je sais pas vous, mais perso, je trouve que ça fait du bien de revoir Bulbière en résurgence. Ah, ouais, tiens, on dirait que Punky est tombé sur des champions. Oh là là, putain, j'aime trop. Des joueurs comme ça, faut pas les lâcher. Allez, on continue avec Rida, et là aussi, je vous le dis, ça va être très violent. Ouais, mais si, c'est pareil avec Xavi Iniesta, bien sûr. La hagra. La hagra. J'aurais pas dit mieux. Vous le savez, Call of Duty, ce n'est pas uniquement des jeux sur PC ou console, c'est aussi des jeux mobiles. Actuellement, on a Call of Duty Mobile qui est disponible depuis plusieurs années et qui marche très très bien. On a d'ailleurs appris dernièrement qu'il s'agissait de la première source de joueurs actifs mensuels d'Activision, et pourtant, tout semble ne pas aller très très bien pour Call of Duty Mobile. En effet, le nombre de joueurs actifs consécutifs au cours des derniers mois a baissé. C'est donc la première fois depuis novembre 2020 que le jeu perd du public. À première vue, on serait tenté de penser que les gens se lassent un petit peu du jeu, qu'il y a un manque de nouveautés, mais que nenni, plusieurs personnes ont ainsi noté que le SBMM, le Skill Based Matchmaking, qui fait tant rager sur les opus PC et console, avait été introduit en mai 2023, et c'est justement à partir de ce moment précis que le nombre de joueurs a commencé à baisser. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-nous tout ça dans l'espace des commentaires. On retourne voir notre ami Punkill qui, semble-t-il, ne voulait pas lâcher ses ennemis dans le moulin de Vandel. En plus, là, je vais me gaver là, regarde.
vu pour lui plaire de sa mère là. Non, je les ai wipe. Faut me baiser ma croix. Il a dit quoi? Faut les baiser sa croix. C'est ce qu'on appelle un descom de grande qualité. Alors pour ce clip de Tomatis, je vous préviens, le début est dingue, la fin est incroyable. Faisons comme ça. Faisons comme ça. And then me goes on and on and on and on and on and on. Energy around us. Ouh, il va me push. Ouh, il me push. Ouh, pinis. Oh putain. Même à 3 contre 1, il ne faisait pas le poids. On continue avec Mizzy, qui aime bien jouer avec ses ennemis. On va le laisser là parce que je crois que ça pourrait durer très longtemps. Du côté de SK, ça se plaint un petit peu. Il a dit hacking. Oh non. Forcément, quand on se prend un truc pareil, il y a de quoi rager. Pendant ce temps-là, Apache fait des étincelles sur Caldera. Allez hop, ça dégage. Oh, attention, baissez le volume. Non ! Alors Gotex, tu fais le même bruit que ta maman quand on lui met 3 doigts dans la... Quoi ? Du côté de Tomaki, vous allez voir que la situation était plutôt tendue, puisqu'il s'était retrouvé seul face à 3 ennemis. One shot two. Attends, one shot. Outside, 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 outside. Non, non, smokes. Wait, the end, bro. Last guy here. Take your time. Dommage pour la réa, mais le combat était vraiment lourd. Allez, on continue avec Tomatis en direct de Vandel. Je l'ai pas shield. Merci pour l'info. Oh, la vie de ma mère qui shit. Ça arrive encore. La vie de ma mère qui shit. Ah, c'est Tomatis. Oh, j'adore. Même avec des plats qui n'auraient rien pu faire. Oh, attention, tenez-vous bien car ça va aller plutôt vite. Oh là là, le flic était monstrueux. J'ai vraiment, je vais me sucer aujourd'hui, je crois. Quelqu'un me fait un clip sur le flic là? C'était mignon ça. Là, si ça finit sur code QG, on va me traiter de cheater, ça me fera un bête de référencement. J'espère que vous serez un peu plus intelligent sur Warzone France. On bascule sur Almazra avec Chouachin et un affrontement comme on les aime. Terminez la
Le barrel se chaud. Nouveau clip de Tomatis et vous vous en doutez, nouveau massacre. Ah bah non. Ah bah non. Ah bah ça a pas marché mon truc là. Ah bah je voulais faire... Ah bah là oui non. Ça c'est fait. Et d'ailleurs, on pourrait dire la même chose pour ce clip de Punkill. Voilà ce qui se passe quand je reprends des forces. Un enchaînement aux petits oignons. Du côté de Sky Rose, y'a rien qui va. Il est tout seul. J'ai pas vu son pote. Son pote était en haut. Mais et la clé mort, putain, mais je mets une clé mort devant la porte, le mec. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Eh, faut m'expliquer, hein. Aïe aïe aïe. Quoi? Alors, non mais attends, mais le... de Pythagore, quoi? Eh, tu regardes la kill cam, le mec il marche sur la clé mort. Tu vois la clé mort, il marche dessus, elle pète pas. Elle était pas placée parfaitement non plus, mais faut pas pousser. Allez, on va voir une dernière fois Punkill, cette fois-ci sur Ashika Island. Vous rêvez pas, on est bien sur Fortnite. Oh là là, Twitch Joram. J'ai cru que c'était Joarno la légende. On aura vraiment tout vu. Pendant ce temps-là, Tomatis continue de ridiculiser tout le monde. C'est quoi ça? Des cracks les gars. Et enfin on termine avec Choachin et un clip qui se passe de commentaires. Fais ton sport. Nice work Activision. Nice work. Vous l'aurez compris, on arrive à la fin de cette vidéo, donc pensez à nous dire quel a été votre clip préféré et pensez également à nous envoyer les vôtres pour vous aussi peut-être passer sur Warzone France. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, salut tout le monde!